Un moment important, une remise officielle du rapport annuel du bilan de mandature, donc qui concrétise en fait tous les travaux et les préconisations qui ont été faites au cours de cette année. C'est un échange très positif qui a eu lieu donc avec le Premier ministre et qui va nous permettre d'institutionnaliser évidemment ce moment important et de rendre compte évidemment à tous nos conseillers du travail qui a pu être accompli et de pouvoir démontrer à quel point ce travail réalisé par le CESE avec beaucoup de sujets qui ont été traités dans le cadre de saisines gouvernementales, voilà à quel point ce travail a porté ses fruits, a été repris et montre bien évidemment l'importance des corps intermédiaires représentés au CESE, l'ensemble des organisations et associations qui y sont, les personnalités qualifiées, à quel point ce travail est apprécié et repris par le gouvernement, par les pouvoirs publics. On a pu, avec le Premier ministre aussi, bien évidemment, parler d'avenir et de sujets à venir pour commencer à avoir les bases de notre travail pour l'année 2017 avec des préoccupations très simples. Par exemple, la suite qui sera faite au rapport, à l'avis qui a été fait sur les droits sociaux européens. Le Premier ministre attend de nous, voilà, une suite et on donnera bien sûr une réponse favorable à cette suite.